Puis sa vie à ma grand-mère, elle a basculé en 1994. Elle était couchée dans une boîte. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez vécu vos deuils, chacun. Moi, je vais vous dire à chaque fois, là, le grand sentiment qui me pète dedans, c'est un sentiment de jamais. Qu'il y a là, puis après, il n'y aurait jamais. Puis là, elle a été exposée 2 jours. Puis le corbillard était prêt. Puis il s'apprêtait à fermer la boîte. Puis là, je me dis, si je ne le fais pas là, je ne le ferai pas jamais. J'ai demandé à ce qu'on me laisse seul avec ma grand-mère. Puis ça, tout le monde a le droit de demander ça dans la famille. Puis je m'ai mis proche d'elle. Puis j'ai mis ma main sur sa poitrine. C'est là que je mettais ma tête quand elle me barçait. Il n'y avait plus de poux. Puis dans la poche, sa blouse, une petite clé en scintillance. Que si la troupe avait juste été une femme libre, que les gens du village auront sorciérisé par peur de la liberté, peut-être que ma grand-mère y aura mis une petite goutte dans l'affranchissement. Si la mort n'existe plus dans mon village, tous les témoins qui étaient là ce jour-là où ça s'est passé, ils sont disparus à l'heure où on se parle. Puis ça continue, là. Puis des fois, ça part trop vite. Puis on se dit, ah ben au moins, il n'y aura pas eu de souffrance. Puis des fois, ça part longtemps. Puis on se dit, ça doit être mieux l'autre bord. Si elle n'existe plus, la mort, les vieux les plus sages, ils chuchotent encore que la branche de la mort elle pousse sur le même tronc que la branche de la vie, puis qu'il faut laisser ça de même. Dans le cimetière au village, comme un générique, par ordre de disparition, Izzy Misak Gilina, le 2 juillet 1948, le forgeron Riopel, le 20 janvier 1952, Lurette Riopel, le 14 février 1952, Jeannette Brodeur, 5 mars 1982, Monsieur Toussaint Brodeur, le 2 juillet 1988, puis Méo le coiffeur, le 20 novembre 1993. Si elle n'existe plus, la mort, ma grand-mère, elle mentait pas. Puis là où elle avait raison, c'est qu'aux dates inscrites sur les pierres tombales, c'est des légendes qui viennent au monde à Saint-Élie-de-Caxton.